Le groupe Le Sage est un industriel français spécialisé dans la fabrication d'éléments en béton précontraint et béton armé. En France, le groupe compte 900 collaborateurs, 14 sites de production et 17 sites de stockage. Si la marque Rector reste la plus importante, l'entreprise est aussi connue pour ses entités Fabre et Durandal, ainsi que pour ses activités en Belgique et en Pologne. Toujours avec le souci d'amélioration de notre service client, nous souhaitions harmoniser notre organisation interne et aligner nos processus au travers d'un système d'information performant et structurant. Notre ERP, devenu obsolète, avait progressivement été complété par d'autres outils comme Excel. Il était alors crucial de le remettre au centre de notre système d'information. Un plan d'action sur 5 ans a été mis en place en 2017, avec comme principaux objectifs la refonte de l'ERP et du CRM, mais aussi la mise en place d'une équipe projet composée d'experts dans chacun des domaines. La réputation de SAP, la structuration apportée à tous les niveaux par ces solutions, ainsi que la capacité de Nagaro à gérer des flux complexes comme le MTS, Make to Stock, ou le TO, Engineering to Order, ont su nous convaincre. Prévu initialement pour durer 18 mois, le projet s'est déroulé sur 33 mois. Il est apparu rapidement que le groupe Le Sage se lançait dans une transformation importante de son organisation, nécessitant une approche adaptée. Le développement s'est donc effectué en mode itératif. Les pilotes ont été déployés en janvier 2020 sur Durandal, puis en mars 2020 sur l'entité Fabre avec le process MTS. Début 2021, nous nous sommes attelés au déploiement de l'ERP SAP S/4HANA sur l'entité Rector France, la plus importante du groupe, avec des besoins d'interface avancés et des processus complexes comme l'ETO. Ce déploiement s'est fait en mode Big Bang le 1er juin 2021 sur 12 usines et 9 dépôts. Nos équipes, ainsi que celles de Nagaro et de SAP, ont su collaborer efficacement sur le go-live principal, qui est une réussite. Grâce aux efforts et à la résilience de l'équipe projet, notre ERP, SAP S/4HANA, est fonctionnel et n'a pas connu de problème majeur à ce jour. Notez que le déploiement du CRM SAP C4C s'est également parfaitement déroulé. Cet outil est très favorablement accueilli par les commerciaux, avec des retours du terrain très positifs. Les utilisateurs nous pressent maintenant pour obtenir des améliorations et du reporting. Nous allons analyser ces retours en vue de notre prochaine phase de développement. En parallèle, notre DSI va se pencher sur le déploiement de l'ERP SAP S/4HANA sur les filiales belges et polonaises du groupe.